Donc merci à vous toutes et tous d'être si nombreux et nombreuses présentes et présents à cette conférence qui s'inscrit donc dans le cycle des conférences Montaigne, en particulier le cycle intitulé « Questions de géopolitique » et pour lequel nous accueillons ce soir Michael Stambolis, que je vais très rapidement vous présenter. Si nécessaire, en particulier ses travaux, et puis ensuite, bien évidemment, lui laisser la parole pour sa conférence. À la toute fin, je reprendrai très rapidement la parole, juste pour vous mentionner, certains d'entre vous ont le programme déjà sous les yeux, la prochaine conférence et dernière conférence du cycle de questions géopolitiques qui aura lieu dans quelques semaines. Alors nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Michael, à plus d'un titre, le moins important est sans doute que c'est un collègue de la maison, mais ça n'est pas en soi effectivement une qualité, sinon qu'effectivement depuis 2016, Michael fait partie du personnel enseignant et chercheur du département des études anglophones. Il est sociologue de formation et de pratique, maître de conférences, et donc il a été recruté en 2016 par notre université, spécialiste donc de la sociologie du savoir, sociologie de la culture, sociologie du genre et de la sexualité, et ses travaux examinent comment donc les contextes culturels et politiques de différents pays, en particulier des États-Unis et de l'Europe au sens large, produisent du sens pour les institutions qui gèrent ces questions, et ainsi que pour les individus. Son premier livre, qui est en cours et qui est issu de sa thèse, est un livre donc, qui s'inspire de ses travaux, soutenu donc, en co-tutelle avec l'Université de Californie à Los Angeles et l'École des hautes études en sciences sociales. Un détail, mais je le mentionne quand même, thèse pour laquelle Michael avait obtenu deux très prestigieux financements, à la fois du gouvernement américain et du gouvernement français, du fait de l'originalité de ses recherches. Dans cette thèse, il explique comment et pourquoi les décideurs, terme qui sera sans doute précisé dans sa conférence, les décideurs américains et français font recours à des formes d'expertise, en tout cas étiquetées comme telles, des expertises divergentes lorsqu'ils débattent en particulier de questions de droit, plus spécifiquement concernant les travaux que Michael a menés pour sa thèse, l'ouverture ou non du mariage et des questions de filiation aux couples de même sexe. Il a également travaillé sur le rapport entre migration et sexualité et comment les dynamiques de migration influent sur les sexualités, la sexualité de celles et ceux qui traversent les frontières. Les travaux de Michael sont très nombreux, je ne les citerai pas, mais sachez qu'ils sont publiés dans à peu près toutes les plus prestigieuses revues de sociologie, en particulier américaines. Il rougit pas encore, non. The American Journal of Cultural Sociology, The Annual Review of Sociology, Social Movement Studies, et puis The Sociological Forum. Avant de dire deux mots très rapides sur la conférence qu'il va faire, qui sera plus intéressante que les deux mots que je pourrais en dire, je tiens aussi à vous faire savoir que Michael a obtenu, je dis Michael, voilà, Michael Stambolis, et ainsi que des chercheurs qui vont travailler avec lui pour deux ans à venir, une bourse de recherche très importante pour nous dans le cadre des programmes que l'on intitule IDEX, donc Initiative d'Excellence. Fort peu de recherches en sciences humaines et sociales réussissent à obtenir ces financements qui sont conséquents et qui vont lui permettre de travailler avec une équipe de chercheurs qu'il va monter sur le rôle politique des experts et donc des chercheurs, à la fois européens et américains, dans deux domaines particulièrement sensibles, on pourrait dire, et qui sont en apparence différents, mais liés dans son esprit, à la fois les recherches sur tout ce qui est changement climatique d'un côté, et aussi les questions de filiation et d'adoption, plus particulièrement pour les familles LGBT. Conférence qui, donc maintenant, deux derniers mots, s'appuie en partie sur un travail mené par Michael Stambolis lors d'un travail collectif qui l'a amené à travailler avec plusieurs collègues sur un ouvrage qui est paru donc en 2017 aux États-Unis, Anti-Gender Campaigns in Europe, et qui a été traduit dès 2019, donc très récemment, aux presses universitaires de Lyon, sous le titre « Campagne anti-genre en Europe, des mobilisations contre l'égalité ». Et je crois que ce livre porte à la fois sur les mouvements sociaux, nationaux et transnationaux, qui
au nom de la résistance contre, avec tous les guillemets à la fois sur résistance et sur le terme suivant, la théorie du genre, lutte de façon assez efficace contre les politiques visant à mettre en place des dispositifs d'égalité entre les sexes et de normalisation, là encore avec des guillemets, de l'homosexualité. Ce soir, je crois que tu nous parles donc de l'utilisation stratégique de ces questions par les États ainsi que par les mouvements sociaux qui s'en emparent. Voilà. Merci à nouveau de votre présence et puis je te cède la parole. Merci Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup Joël, merci à vous d'être là aussi nombreuses et nombreux. J'ai hyper peur, hein, j'avoue. Je ne m'attendais pas à ça et puis il est toujours très difficile de mettre en place ce type de présentation parce que on ne sait pas qui va être le public et quel va être son niveau de compréhension. Alors pour certaines d'entre vous, ça va être un peu barbant, peut-être que vous connaissez déjà tout. Pour d'autres, ça va être des découvertes. Alors j'ai essayé de faire un petit peu un mélange. Et puis je dois vous dire que je sors de 4 heures de cours d'affilée en anglais et donc il est difficile pour moi de changer de l'anglais vers le français. Alors je risque de faire des fautes de genre, mais ce n'est pas grave parce qu'on parle de genre justement. Voilà. Alors je suis très très contente d'être là parce que ça me permet aussi de discuter de deux choses qui ne sont pas tout à fait dans le centre de mon travail de recherche, c'est-à-dire le travail de thèse qui a été mentionné par Joël sur le rôle des experts dans les débats sur la filiation, comparant la France et les États-Unis. Parce qu'en tant que sociologue et en tant qu'être humain, ce qui m'a toujours intéressé aussi, c'est de comprendre l'interaction entre les niveaux de discours national et le contexte national et les mobilisations dans des contextes spécifiques. Et enfin, comment les individus eux-mêmes adoptent ou pas des discours qui circulent. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelque chose qui permet de réfléchir sur ces deux niveaux. Donc, à la fois sur les discours politiques et notamment la résistance contre la dite théorie du genre et contre la démocratie sexuelle, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, je parlerai sur des travaux que j'ai menés, qui étaient issus de mon mémoire que j'enseigne, parce que j'enseigne ici aussi dans le master études sur le genre, qui est très important. Et puis je remercie à tous mes étudiantes, à tous mes étudiants d'être là, sinon je crois qu'il y aurait peut-être eu personne dans la salle. Je rigole, mais c'est très bien. Je leur parle de ce travail et ce travail porté sur des Français se disant lesbiennes ou gays ou bisexuels qui avaient quitté la France pour s'installer aux États-Unis. Et j'ai travaillé sur leur expérience de migration et je l'ai comparé cette expérience de migration à des personnes se disant lesbiennes, gays et bisexuels quittant les États-Unis pour s'installer en France, pour essayer de voir si le fait de changer de contexte national, politique et culturel a eu un impact sur leur subjectivité. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de lier à la fois les discours nationaux avec cette construction de subjectivité. Une tâche qui me semble être compliquée, un petit peu ambitieuse peut-être, donc peut-être que vous ne serez pas convaincus et ce n'est pas très grave. Je vous invite très fortement à débattre avec moi après. Voilà. Mais pour commencer, en guise d'introduction, on va faire un mini cours rapidos de ce que c'est que le genre. Qui ici a déjà entendu la théorie du genre? Qui a entendu cette expression? Donc, vous êtes très nombreuses et nombreux à connaître cette expression. Je mettrai ma main à couper, je crois que c'est comme ça qu'on dit en France. C'est peut-être c'est assez violent quand même comme expression. Je pourrais parier que il y a 10 ans, si je posais la même question, j'aurais pas du tout eu cette réponse. Parce que la notion de théorie du genre, telle qu'elle est entendue ou comprise en France, a changé de signification et n'a pas été très bien connue par le grand public il y a si longtemps que ça. Mais il faudrait déjà qu'on soit d'accord sur ce que ça veut dire. Donc un petit cours sur le genre. Alors, non, mon PowerPoint, il voudrait bien mourir, c'est cool. Oh là là. Ah si, voilà, ça veut bien mourir. Non, non. Alors là, vous voyez le fond de commerce, l'arrière de la boutique et tout. Fermez les yeux. Elle est fatiguée. L'ordinateur a commencé ce matin comme moi et a fait beaucoup de cours aussi et n'en peut plus. En plus, j'ai bossé comme des heures dessus. C'est pas grave. Oh, ça va m'ennuyer, franchement. Ça, vous voyez la dépendance à la technologie. On devrait avoir une formation professionnelle là-dessus, je vous dis. Hein. Comment faire son discours? Non, je sais comment le mettre, mais il est fatigué, il a beaucoup réfléchi, sincèrement. Et puis en plus, c'est très lourd, parce qu'il y a plein d'images, parce que je réfléchis avec des images. Ok. Non, ça ne veut toujours pas.
Bon, j'aurais dû. J'ai testé hier, hein, je vous assure, c'est pas grave. Hop, je fais d'abord comme ça. Moi, je vais être têtu. Hein. On se demande comment j'ai pu avoir autant de bourses et de machins. Allez, c'est bon, je pense. Excusez-moi et merci pour votre patience. Et avec ma dépendance technologique, très américaine, j'ai été formaté comme ça, je vous assure. Alors, la théorie du genre, qu'est-ce que c'est le genre, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut comprendre que le genre est un champ scientifique très riche. Vous voyez des images, ça valait le coup quand même. Qui brasse énormément de disciplines. Et ce qui m'intéresse dans le contexte français, c'est que lorsqu'on a entendu, notamment au moment des débats sur le mariage et la filiation pour les couples de même sexe, il y avait des gens qui réclamaient l'interdiction de l'enseignement de la théorie du genre en France, notamment dans les écoles. Et la réaction du ministre de l'Éducation à l'époque, Vincent Peillon, a été de dire « mais vous vous trompez, il n'y a pas de théorie du genre, ça n'existe pas ». Cette réaction m'a beaucoup déplu parce qu'en réalité, si, il existe bel et bien une conceptualisation scientifique des notions derrière cette chose. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion? Je ne prétends pas et je ne pourrais pas faire l'histoire longue et complexe de l'émergence de ce champ et sa diffusion dans différentes disciplines et ses transformations avec le temps. Donc ce que je vais dire, ça va être très schématique. Mais c'est un concept à la fois scientifique, mais qui prend ses racines grâce au mouvement féministe déjà à la fin du 19e siècle et qui prend de l'ampleur, notamment à l'université, pas que américaine, contrairement à ce qu'on pourrait vouloir croire, mais un petit peu partout, au milieu du 20e siècle. Et que cette émergence à la fois militante dans le mouvement féministe et dans le champ scientifique a du sens. Parce qu'à l'époque, lorsque les femmes réclamaient des droits, on leur disait « mais vous ne pouvez pas, madame, faire l'agrégation de philosophie parce que votre cerveau vous l'empêche. Non, madame, vous ne pouvez pas voter parce que les femmes ne sont pas capables par leur nature de raisonner. » Ou alors plein d'autres de justifications, dont une bonne partie se reposait sur la nature, la dite nature des femmes, donc sur la biologie. Quand on veut lutter contre quelque chose qui se justifie par la nature, il faut essayer de déconstruire cette justification et de dire non, si on ne peut pas voter, ce n'est pas parce qu'on est avec une vulve, c'est dû à autre chose. Et donc on va étudier comment et pourquoi on retrouve ces inégalités, notamment aux accès politiques, mais bien d'autres. Donc comme vous le savez très bien, il s'agit d'une Française qui a dit très célèbrement « on ne naît pas femme, on le devient ». Donc, célèbre phrase de, alors mes étudiants disent Simone Veil, je dis non, il y a d'autres Simone qui ont dit des choses aussi, Simone de Beauvoir. Alors, pour faire simple, on ne naît pas femme, on le devient, ça veut dire que ce n'est pas le fait de naître avec une vulve ou avec un corps spécifique qu'on doit être attribué à un rôle social très spécifique. C'est-à-dire que le corps est une chose et toute la socialisation, toutes les attentes sociales qui vont avec ce corps, c'est de la construction. Et c'est nous en tant qu'êtres humains qui décidons ce que ce corps est capable de faire ou pas capable de faire. Encore une fois, je schématise beaucoup, c'est plus complexe que ça, mais pas simplement. Alors, récemment, le concept a évolué, donc juste pour que nous soyons clairs sur, au niveau de la langue. Ça, c'est issu d'un travail de sociologue américain, Weston Zimmerman, mais qui ont recoupé beaucoup d'autres travaux. Alors, pendant longtemps, on croyait que ce que nous voyons comme étant évident, la correspondance, par exemple, du fait d'avoir un pénis, voudrait dire qu'on soit un homme et qu'en fonction de cette catégorisation dans la case homme, veut dire qu'il faut, ben, il faut avoir une barbe aujourd'hui parce que c'est tendance, il faut mettre plutôt une veste qu'une robe quand on donne une conférence professionnelle parce que quand on est homme, ça ne se fait pas nécessairement. Et ça allait de soi. Simone de Beauvoir fait déjà casser ce lien en disant « nous, le corps, c'est une chose, tout le reste, c'est une autre chose ». Weston Zimmerman vont un tout petit peu plus loin
et nous disent qu'il s'agit en réalité de trois choses, de sexe, de catégorie de sexe et de genre. Alors, le sexe, qu'est-ce que c'est? Selon Weston Zimmerman, le sexe, c'est tout ce qui est en lien avec la biologie, mais telle qu'elle est réellement. C'est-à-dire que la biologie de la sexuation humaine est extrêmement compliquée, très nuancée, et surtout se situe sur un spectre. C'est-à-dire que, certes, pour la plupart des gens, leur partie génitale externe, leurs chromosomes, leurs gènes, leurs gonades, leurs hormones vont être plus ou moins alignés sur un pôle qu'on va dire masculin et un pôle qu'on va dire féminin. Mais qu'en réalité, les êtres humains naissent avec des parties génitales ou d'autres définitions de ce que c'est que le sexe biologique qui est beaucoup plus varié, c'est une gradation. Et donc ça, c'est le sexe, tout ce qui est à toucher à la biologie telle qu'elle est. En réalité, ce que nous utilisons au quotidien est la catégorie de sexe. La catégorie de sexe est notre façon de penser la biologie. C'est-à-dire que sans même vous en rendre compte, quand vous m'avez vu, vous avez eu des présupposés sur ma biologie. Alors qu'en réalité, vous savez simplement que j'ai une barbe et j'ai une voix grave, mais vous ne savez absolument rien sur mes parties génitales, puis j'espère que vous n'essayez pas d'imaginer, bref. Mais sans même vous en rendre compte, vous avez fait des présupposés sur mon corps. Et puis la réalité est que moi, je ne connais pas nécessairement mon sexe biologique. Il se peut que j'ai un sexe chromosomique qui n'est pas tout à fait typique. Il se peut que mon sexe génétique est un peu différent, mais je n'ai jamais fait la démarche pour le faire parce que je n'en avais pas besoin. Bref, au quotidien, nous utilisons la catégorie de sexe et on met des gens dans ces catégories. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a que deux catégories de sexe, hommes, femmes. Ensuite, c'est avec ces catégories de sexe qu'on va faire tout un ensemble de présupposés, d'attentes, etc. Donc moi, je mets la veste plutôt qu'une robe parce que c'est ce que je suis censé faire en tant qu'homme. Ça, tout ça, c'est le genre. Et le genre n'est absolument pas naturel. Le genre est quelque chose qui change avec le temps, qui change avec l'espace. Le nombre de catégories change aussi selon le temps, selon l'espace. Les attentes changent aussi et peuvent se renverser, notamment par exemple les couleurs rose et bleu. C'était l'inverse, notamment aux pays anglo-saxons, et que ça a changé de sens. Bleu était pour les filles à l'époque parce que c'était considéré comme une couleur douce, gentille et plutôt appropriée pour l'humeur des filles. Et rose pour les garçons, parce que c'était vif et vivant, etc. Ça a changé de sens au XXe siècle. Ça, c'est le genre, et il n'y a rien de naturel. Alors, je comprends, c'était très vite, et que c'est beaucoup plus compliqué et nuancé que ça, mais ce n'est pas le fond de mon propos. J'avais juste envie qu'on soit tous un petit peu, qu'on sache de quoi je parle quand je dis genre. La question que je me pose, c'est comment nous sommes allés de cette conceptualisation scientifique, certes avec des racines militantes, à ça. Là, c'est une image, donc c'est des gens qui se sont levés dans l'amphi 700 en 2011 avec des fiches en protestation à la remise de l'honoris causa à Judith Butler. Moi, je n'étais pas là à l'époque, mais on me l'a raconté parce qu'apparemment, c'était relativement violent. En plus, le groupe s'est vanté sur leur site web, Mouvement français, Renouveau français Bordeaux, Mouvement pour la résistance nationale, Renaissance nationale, excusez-moi, oulala, décidément. Bref. Leur revendication était de dire la théorie du genre, les idées que propose Judith Butler sont dangereuses et posent problème pour la République française et pour l'identité nationale. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ces militants, ils ont pris un concept scientifique pour en arriver là. Alors déjà, ce qui est évident, c'est que le genre comme concept dérange et a dérangé dès le départ. Les féministes ont dérangé dès le départ. C'était le rôle des féministes de déranger l'ordre social parce que le genre est une hiérarchie sociale avec le masculin qui est supérieur au féminin. Et quand on remet en question les justifications naturalisantes de cette hiérarchisation, ben, ça pose problème. Mais ici, cette résistance n'est pas seulement antiféministe, elle est antiféministe d'un un certain antiféminisme qui s'articule dans un contexte très spécifique. Et ce contexte, ces résistances, on les voit pas seulement en France, mais ailleurs aussi. C'est-à-dire que lutter contre la dite théorie du genre,
donc une idée de ce que raconte Judith Butler ou d'autres, sans nécessairement comprendre le fond, même si on peut dire que ces militants et militantes comprennent le fond, parce que vous voyez le monsieur, il a bien une affiche qui dit « on veut du sexe, pas du genre ». C'est-à-dire qu'il voudrait bien qu'on revienne à la naturalisation, comme évidente et allant de soi. Eh bien, les chercheurs travaillant sur cette question nous expliquent que lutter contre la théorie du genre est une sorte de colle symbolique. La colle symbolique, c'est un concept qu'on utilise en sociologie des mouvements sociaux, qui permet d'expliquer pourquoi nous voyons la résistance contre l'idéologie du genre, ou en France, la théorie du genre, dans des pays aussi divers que l'Italie, la France, ou en Russie, où en Russie on ne parle pas de théorie du genre, on parle davantage de gay-ropa, donc en mettant gay et Europe ensemble, comme si c'était quelque chose qui venait de l'Europe. Et aux États-Unis on l'entend aussi, mais on parle davantage de marxisme culturel ou du politiquement correct, ce qu'on entend aussi en France de temps en temps. Alors, ces mobilisations ont réussi à faire arrêter des avancées de droit ou faire reculer des avancées en termes de droits pour des femmes, droit à l'avortement, droit des personnes LGBTI, ou lutter contre le gender mainstreaming dans la politique de l'Union européenne, ou à fermer des études, fermer des départements de gender studies en Hongrie, par exemple. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui ont un certain pouvoir important. Alors, selon mes collègues, Veronica Griblanska, Esther Kovats et Andrea Pato, je le dis, je ne sais pas pourquoi avec mon accent américain, mais c'est comme ça, c'est lutte contre le genre, entre guillemets, ou la théorie du genre, ou l'idéologie du genre, permet de créer une figure de l'ennemi commun, qui est perçu comme venant de l'extérieur, de l'étranger, et promu par des élites dans leur propre pays, contre le gré du peuple. Et dans ce sens, ça fonctionne comme une colle symbolique qui permet de faire travailler ensemble pour faire avancer certaines revendications politiques, de faire travailler ensemble des gens avec des horizons politiques très divergentes ou qui ne sont pas forcément d'accord sur d'autres questions. Mais sur celle-ci, ils arrivent à se mettre d'accord. Donc le genre devient comme une sorte de bouc émissaire symbolique de l'ordre socio-économique actuel et des griefs aussi variés que la défaite de la représentativité démocratique, de la perte de souveraineté nationale face aux élites économiques ou face aux organismes internationaux, tout ça, ça peut se cacher derrière le terme menace de théorie du genre. Il s'agit d'actions nationales qui ont lieu dans un espace politique spécifique, dans des pays, mais il s'agit aussi d'une lutte internationale qui fédère des gens qui travaillent dans plein de pays à travers le monde. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que ces actions font une caricature du concept de genre. On l'aura bien compris. Voilà. Alors, malgré cette mobilisation internationale, la forme que ces mobilisations prend dans chaque contexte national fait appel à un discours nationaliste, souvent, ou au moins local. Donc on veut défendre la République française contre les méchantes théories de Judith Butler, des méchantes théories américaines, parce que quand on veut l'Amérique, ça peut servir d'épouvantail dans l'espace politique français. Donc malgré ces luttes internationales, l'articulation, elle est toujours quand même nationale. Et dans ces articulations, on arrive à créer un espace, une sorte d'espace d'appartenance ou de non-appartenance. Donc je vais expliquer ce que je vais vous montrer ce que je voudrais dire. C'est-à-dire qu'en luttant contre le genre, en luttant contre l'égalité des personnes LGBT, on fait lier un discours donc nationaliste et d'exclusion dans la nation ou exclusion dans la nation. Donc on construit des frontières symboliques autour de ce que c'est que la nation. Et là, vous avez des exemples des constructions de la nation et où les homosexuels, en l'occurrence, ne feraient pas partie de la nation. Donc là, This is Russia, avec l'image d'un gars avec un drapeau arc-en-ciel qui se fait éjecter de la Russie. Les homosexuels ne font pas partie de la Russie. Ou Obama, we want trade, not homosexuality. Donc Obama, on veut du commerce, pas l'homosexualité. Donc, comme si
les personnes homosexuelles n'étaient pas présentes dans ces pays. Ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau rhétorique, les personnes homosexuelles ou bisexuelles, transgenres, intersexes, etc., sont dépeintes comme des étrangers parmi nous, des étrangers à faire éjecter de la nation, parce qu'ils représentent une menace. À l'inverse, on retrouve un discours similaire, mais dans l'autre sens. Ceux qui sont anti-gays ou anti-droits des femmes sont l'autre, ne font pas partie de la nation. Là, c'est où on voit l'alliance des valeurs, par exemple, de l'inclusion démocratique avec la nation. On pense notamment à l'Israël qui se vante de son inclusion des personnes LGBT pour se dire « nous, on est la seule nation au Moyen-Orient qui protège ces gens-là ». Ça aussi, bon là, vous avez le drapeau américain sur l'ambassade des États-Unis. Bon, ça ne se ferait plus en ce moment. Avec le président Trump, mais sous Obama, c'était au mois de juin, on mettait le drapeau arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'on associe la nation avec l'ouverture aux questions touchant aux homosexuels. Et de fait, des personnes qui seraient contre ne pourraient pas faire partie de la nation. Je parlerai plus tard de l'effet que ça peut avoir sur les individus, parce que ce qui m'intéresse, c'est à la fois d'analyser, c'est ce que je vais faire, donc mon plan, c'est d'analyser ces luttes de genre en France et en Europe et aux États-Unis, donc dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de comprendre comment le dessinage de ces frontières symboliques a un impact sur les individus, notamment les individus qui traversent ces frontières symboliques. Donc, je vais essayer de faire articuler le niveau national avec le niveau individuel. Donc, première partie, lutter contre le genre en Europe ou aux États-Unis. Et puis, si vous voulez, je mettrai ces diapos sur mon site web personnel, comme ça, vous n'avez pas à prendre autant de notes, vous pouvez le charger et tout, pas à écrire comme des fadas. OK, parce que j'ai mis beaucoup de textes, etc. Alors, lutter contre le genre en Europe et aux États-Unis, comme mon collègue a pu dire tout à l'heure, c'est un travail qui est issu d'ouvrages collectifs, dont moi j'ai écrit le chapitre avec un collègue, Jocelyn Tricou, qui s'intéresse à la France. Donc moi je vais m'intéresser à la France parce que, avant d'être enseignant-chercheur en études américaines, j'ai fait ma licence en études françaises. Donc mon premier objet était la France. Et ça me passionne toujours. Alors, vous vous souvenez probablement, en 2012-2013, la France a été le théâtre de mobilisations immenses avant l'ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe. Et que ces mobilisations étaient parmi les plus importantes à Paris, mais pas que, bien sûr, depuis les années 80. Si on compte le nombre, là, c'était sur les écoles publiques, il me semble. Donc ça a fait aussi mobiliser énormément de monde pour la fermeture des écoles privées, pour pour que les écoles religieuses, notamment, deviennent des écoles publiques et sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Bref, une manifestation immense, qui s'est fait appeler la manif pour tous. Qui fait appel aussi au nom de la réforme qui était le mariage pour tous. Alors, ce qui est important à constater ici, c'est que ce mouvement était inattendu. On ne s'attendait pas à voir, enfin on, je parle pour moi, ceux qui analysaient les mouvements sociaux en France ne s'attendaient pas à voir autant de gens se mobiliser de manière aussi intense. Les gens, ils se mobilisaient à la fois contre le mariage, mais aussi contre l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, contre la gestation pour autrui et contre d'autres choses par la suite. Ces mouvements ont été largement suivis à la télévision et a mobilisé beaucoup de monde, comme je l'ai dit. Mais ce qui est intéressant, à mes yeux, ce qui était intéressant à constater, surtout venant des États-Unis, c'était l'absence de discours religieux. Donc, aux États-Unis, le discours religieux est bien sûr très très important. En France, on n'assistait pas à ce qu'on a pu voir, notamment au moment du Pax, où Christine Boutin avait une Bible dans l'Assemblée nationale pour s'opposer au Pax. À l'époque
de la mobilisation de la Manif pour tous, on a davantage attendu à des Marianne, à des gens qui se disaient gardiens du code civil ou gardiens de la famille. Gardiens de la famille au-delà et à travers différentes communautés, donc des musulmans, des juifs, d'autres, mais qui ne se prononçaient pas au nom de la religion, mais au nom de la solidarité entre des différentes communautés contre cette réforme. On verra que le fond de l'idée vient quand même du Vatican, pour l'essentiel, mais que l'expression publique de cette résistance n'était pas religieuse. C'est à ce moment-là aussi qu'on observe l'émergence de la cristallisation aussi autour du genre. Donc les gens, ils étaient évidemment contre le mariage entre les personnes de même sexe, contre l'homoparentalité, etc. Mais aussi clairement contre la théorie du genre. C'est là où on voit émerger, on veut du sexe, pas du genre, non merci, pas leur genre, etc. Et cette mobilisation, donc il y a eu des mobilisations autour, qui portaient sur d'autres choses, qui n'avaient rien à voir avec le mariage entre personnes de même sexe, mais qui avaient tout à fait à voir avec les questions de genre. Il y avait, vous vous souvenez peut-être, une journée de retrait de l'école qui avait eu lieu dans les écoles françaises. C'était un mouvement qui était initié par Farida Belghoul. Elle avait envoyé, c'était surtout par SMS et sur d'autres réseaux sociaux, pour encourager les parents de retenir leurs enfants à la maison en protestation contre la mise en application de l'abécédaire de l'égalité, qui était un programme du ministère de l'Éducation nationale pour lutter contre l'inégalité des garçons et des filles. Et ça n'a pas plu à Farida Belghoul et aux gens qui partageaient ces idées parce qu'elle elle voyait ça comme une sorte de menace. En même temps, un peu avant, il y a eu aussi des débats sur les manuels scolaires en biologie. Vous vous souvenez peut-être qu'en France, il était question d'ajouter des questions de la différence entre sexe et genre dans les manuels d'SVT. Ça a aussi fait couler beaucoup d'encre et a mobilisé énormément de gens contre cette réforme. Entre parenthèses, la journée de retrait de l'école a eu un immense succès. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui n'étaient pas à l'école ce jour-là. Alors avec mon collègue Jocelyn Tricou, malgré le fait que la Manif pour tous n'ait pas réussi à interdire le mariage ou à empêcher l'ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe, nous considérons qu'il s'agit quand même d'un mouvement réussi. Donc un mouvement qui a réussi à certains objectifs malgré le fait de ne pas avoir éteint ce qui était proposé comme les premiers. Déjà, ils ont permis de réduire l'ampleur du projet de loi qui incluait à l'époque l'ouverture de l'aide médicale à la procréation assistée pour les couples de femmes. Ça a été abandonné, ça demeure abandonné pour le moment. Donc l'AMP et la GPA stoppées. En plus, la Manif pour tous, et ensuite ça s'est créé en parti politique, a réussi à perturber l'enseignement de l'éducation sexuelle et eu la différence entre sexe et genre dans les écoles publiques et a créé des tabous politiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, le gouvernement a décidé de supprimer le mot genre et gender de son site web et de ses publications officielles parce que le gouvernement avait peur des réactions parce que il y avait beaucoup de monde dans la rue. Donc des tabous politiques qui demeurent quand même. Et ça a eu un impact en France et à l'international, la Manif pour tous. Bien sûr, sans parler du paysage politique français qui a changé, parce que depuis, des partis politiques cherchent à plaire, en tout cas certains partis politiques cherchent à plaire à la Manif pour tous ou à avoir ses électeurs. Voilà, donc un mouvement réussi. Mais ce mouvement réussi s'exprime d'une manière spécifique en France, comme j'ai dit tout à l'heure, ne faisant pas nécessairement appel à la religion et utilisant des codes de la République, et aussi en diabolisant le genre comme quelque chose d'étranger. Donc, si on veut faire peur, on ne parlera pas de genre, mais on parlera de gender. Parce que gender, ça fait peur quand on le dit comme ça. Là, par exemple, ça c'était à propos, je vous donne un exemple.
À propos des manuels scolaires et de l'inclusion de questions de genre et de sexualité, Philippe Gosselin, élu, a posé une question au gouvernement en 2011 et il a dit « Cette disposition, donc l'inclusion des questions de genre dans les manuels scolaires, a abouti à l'apparition de la théorie du gender dans les manuels scolaires de SVT, qui affirme que l'identité sexuelle n'est pas une donnée biologique mais une construction sociale. Cette théorie, née aux États-Unis, ce que nous savons est faux, relève de la sociologie ou de la philosophie et ne devrait donc pas apparaître dans des manuels scolaires de SVT. » Bref, il fait un mouvement rhétorique intéressant qui dépeint la théorie du genre comme quelque chose d'étranger. Donc de fait, les gens qui utiliseraient ces concepts scientifiques feraient appel à des concepts étrangers qui n'ont pas leur place, en tout cas pas leur place dans ces manuels, mais de manière plus large. Alors, comment expliquer l'émergence ou le succès de ce mouvement en France ? De mon point de vue avec mon collègue Jocelyn, le succès de ce mouvement est dû à plusieurs choses. Alors d'abord, de la manipulation, donc manipulation dans un bon sens, l'utilisation de la structure des opportunités politiques au niveau national et à l'intérieur de l'Église catholique en France. Alors, d'un point de vue national, le contexte de l'émergence de la Manif pour tous était très particulier, vous vous souvenez peut-être, mais à droite, il y avait une guerre entre les chefs pour savoir qui allait récupérer la direction des partis de droite après l'élection de François Hollande. Donc là, c'était l'occasion de s'unifier autour d'une question, on va lutter dans la rue. Donc il y avait aussi une grogne qui commençait à émerger déjà à cette époque-là, contre François Hollande et contre le gouvernement socialiste. Donc ça permettait aussi d'augmenter cette grogne-là, ou en tout cas de l'utiliser pour faire avancer les revendications de la Manif pour tous. En plus, il faut savoir qu'en France à l'époque, l'opinion française était majoritairement défavorable à l'homoparentalité. Contrairement aux États-Unis, où pendant très longtemps, l'homoparentalité était admise, alors que le mariage entre personnes de même sexe était vu comme quelque chose de mauvais, en France, c'était l'inverse. Que les couples de même sexe se marient, ça ne pose pas de problème. Qui des enfants, en revanche, pas du tout. Non, ça ne va pas. Donc en fait, là, je schématise les pourcentages, c'est plutôt vers les 54-56%, mais la majorité de la population française était contre l'homoparentalité. Comme le projet de loi à l'époque avait un volet sur l'homoparentalité, ben, cette opinion défavorable allait dans le sens de la Manif pour tous. Mais il y avait aussi à l'intérieur de l'Église catholique quand même, parce qu'il faut insister sur le fait qu'il s'agit d'un mouvement qui prend ses racines dans la sphère catholique. Dans l'Église française, depuis les années 70, un déclin du catholicisme progressiste, on va dire de gauche, à la faveur d'un catholicisme plutôt de droite, d'identité, identitaire. Et avec la perte de puissance du catholicisme d'identité, plutôt conservatrice, c'était le moment pour cette partie de l'Église de l'intérieur de prendre davantage de pouvoir. Ensuite, la Manif pour tous a su utiliser l'ensemble de ressources importantes de l'Église catholique et de toutes les associations liées à l'Église catholique pour faire avancer sa cause. Par exemple, affréter des bus pour pouvoir aller à Paris, utiliser toutes les paroisses et les ressources des paroisses pour faire monter du monde. Donc ça permettait à la Manif pour tous d'avoir un mouvement plutôt réussi. En même temps, la Manif pour tous en France a réussi parce que ce mouvement a su adapter son message, un message du Vatican, à être audible en France à travers l'utilisation des symboles qui résonnent dans la France laïque, en tout cas officiellement, et d'une manière à masquer les appartenances religieuses des gens qui se mobilisaient dans la rue. Et je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Mais pour comprendre les racines, il faut remonter un petit peu dans le temps pour s'intéresser au personnage de Tony Anatreya, qui est un prêtre et psychanalyste qui a été au conseil pontifical de la famille. Alors,
En 1995, l'ONU a organisé une grande conférence sur les droits des femmes, qui s'appelait la Conférence mondiale sur les femmes de l'ONU, qui a lieu à Pékin. Et c'est à cette époque-là, à l'ONU, où les pays se sont mis d'accord pour lutter contre l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et le langage dans les programmes, si on les étudie, on voit émerger le mot « gender » et une distinction entre « gender » et « sexe ». Le Vatican a très bien compris que cette distinction entre sexe et genre posait problème pour son idéologie qui se repose sur la nature immuable des femmes qui les désignerait à faire certaines choses et la nature immuable des hommes qui les désignerait à faire d'autres choses. Donc voyez ce mot « gender » comme une menace pour ces idéologies et a tout de suite fait rédiger un lexique qui s'appelle le lexique des termes ambigus et controversés sur la vie, la famille et les questions éthiques. Vous imaginez que « gender » était défini comme terme ambigu. Anna Treya faisait partie de la rédaction de ce lexique et a fait partie de la traduction française et de la divulgation de ce lexique en France, parmi les paroisses, parmi l'hiérarchie de l'Église catholique en France. Et c'était une figure importante pour déjà mettre sur la scène politique française « danger, danger, gender, ça va nous poser un problème pour nos revendications ». Anna Treya a aussi été très important dans la lutte contre le Pax, mais à l'époque, quand Anna Treya ou Christine Boutin s'opposaient au Pax, ils disaient que, entre autres, l'homosexualité est un problème psychologique peut guérir, que l'homosexualité est un péché, on a dit tout à l'heure avec la Bible à l'Assemblée nationale. Vous imaginez bien qu'en 2012, ce genre de choses, ça passe moins bien. Et la Manif pour tous a compris qu'on ne pouvait plus avoir une rhétorique ouvertement homophobe pour interdire des droits à des couples de même sexe et à la création des familles. Donc, on a utilisé plutôt un discours en apparence progressiste. Donc les affiches, ça c'est les affiches de la Manif pour tous, qui pour celles et ceux d'entre vous qui ont fait 68, c'est pas mon cas, va peut-être vous parler, parce que déjà on voit les graphismes qui rappellent les affiches de cette époque. Et avec des revendications très variées, très intéressantes. Donc l'appropriation d'un discours anticapitaliste ou altermondialiste, soulignant une perspective interconfessionnelle et surtout en parlant au nom des vulnérables, donc des enfants vulnérables ou des travailleurs dans des usines à Aulnay qui ferment. Et donc la priorité, c'est Aulnay, pas le mariage gay, comme on peut voir ici. Donc on ne parle pas d'homosexualité comme un problème, on dit que ce n'est pas la priorité ou il faut s'intéresser à autre chose. Et un discours sur les droits, une récupération du discours des droits, mais pas des droits des homosexuels, droits des femmes et droits des enfants. Des enfants à grandir dans une famille composée d'un homme et d'une femme. On fait beaucoup recours au symbole de la République française, la Marianne, bâillonnée. Donc ici, la suggestion derrière est que la voix des gens ordinaires est opprimée par cette théorie du genre, par ce gouvernement qui ne nous écoute pas. Et nous, la Manif pour tous, on va faire porter vos voix au nom de la République. Il y a aussi un autre mouvement stratégique qui se repose sur les identités mêmes des gens qui ont créé la Manif pour tous. Vous vous souvenez peut-être de... alors, elle se faisait appeler Frigide Barjot. Ensuite, Xavier Bongibaud, qui est entre elle et une autre personne, qui est Florence Chang. Alors, Virginie Mertelen, de son vrai nom, exubérante, qui représente la jeunesse, qui était chanteuse dans des boîtes de nuit gays à Paris. Xavier Bongibaud, qui se dit homosexuel, et Florence Chang qui se dit socialiste. Donc non, la Manif pour tous n'est pas du tout réactionnaire, on est socialiste, on est nous-mêmes homosexuels et où on est tout à fait jeune et cool et puis on est même gay-friendly. Donc on essaie
de créer des identités qui cachent en réalité la majorité des gens qui composaient ce mouvement. En même temps, on voit essaimer aussi, on voit émerger d'autres mouvements qui font appel à d'autres symboles de la République française, et encore une fois, des symboles laïques ou qui font référence à la culture populaire française. Marianne et les Gavroche, par exemple, ou les Antigone, ou alors pour le coup, les Omènes. Donc les Omènes qui sont la version masculiniste des femelles. Mais là, on parle au nom de la République et surtout on ne parle pas au nom de la religion on fait un effort pour ressembler à tout le monde. On parle des Gavroches, donc on parle au nom des petits et bien sûr des symboles qui vous parlent. Mais derrière tout ça, il y a les ressources. Donc quand on regarde qui a financé le mouvement, on voit que c'est Alliance Vita qui s'engage contre l'avortement depuis très très longue date. On voit la Fondation Jérôme Lejeune et d'autres organisations laïques, mais laïques dans le sens où ce n'est pas la hiérarchie de l'Église catholique elle-même, mais des organisations en lien avec l'Église qui fournit les ressources. Alors tout ça... est important parce que le contexte français va permettre l'exportation en Europe. Donc c'est un modèle réussi qui devient un modèle à reproduire. Et les d'autres mouvements qui revendiquent des choses similaires, donc contre l'égalité des sexes, contre les homosexuels, contre l'homoparentalité, contre le gender, si la France peut faire ça, pourquoi pas nous ? En gros, le poids politique de la France était importante, surtout un pays qui est réputé laïque et plutôt ouvert. Bah, si la France peut réussir, nous aussi. Et donc, on a vu émerger d'autres mouvements partout en Europe, des mouvements à succès. Donc, il faut souligner que ces mouvements, donc moi je commence vers l'international, ces mouvements prennent des formes tout à fait spécifiques dans chaque contexte. Donc bien sûr la laïcité qui est importante en France, on ne va pas la retrouver en Russie ou dans d'autres pays où faire des revendications religieuses ne pose pas de problème. Donc si on prend l'exemple de la Russie, vous savez peut-être qu'en 2013, la Russie a promulgué une loi interdisant la dite propagande homosexuelle pour protéger les enfants contre les informations qui favorisent le déni des valeurs traditionnelles de la famille. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où la loi est passée, on disait que l'homosexualité est une valeur occidentale qui n'a pas sa place chez nous. Donc, on fait appel à un discours nationaliste. Vous savez, c'est de l'actualité et c'est très grave. En République tchétchène, donc, qui fait partie de la Fédération russe, il y a l'emprisonnement extrajudiciaire et de la torture d'hommes homosexuels depuis 2017 et récemment. Mais toujours au nom du rejet de l'étranger, de cette idée qui vient d'ailleurs. Je ne suis pas en train de dire qu'en France on fait la même chose, mais c'est quand même la même opération rhétorique. En Hongrie... sous Orban, depuis 2012, il y a plusieurs choses qui se passent et qui inquiètent. Donc, par exemple, la nouvelle constitution depuis 2012 interdit la reconnaissance du mariage entre les couples de même sexe. Mais aussi, même si on va voir si l'Union européenne réagit et la Cour européenne des droits de l'homme interdit l'utilisation des lois qui interdisent la discrimination. En gros, autorisant la discrimination contre les personnes homosexuelles. Et plus inquiétant pour moi, tout ça m'inquiète, hein, mais encore plus inquiétant pour moi en tant que chercheur, la fermeture par le gouvernement hongrois des départements d'études de genre. C'est-à-dire qu'il y avait deux programmes de master études sur le genre qui viennent de ne pas voir leur autorisation à exister, être renouvelée. Donc le gouvernement dit, ça n'a aucune place chez nous et on ferme ces départements. Il y a d'autres pays, il y a d'autres mouvements aussi en Pologne, notamment c'était déjà un des pays qui avait des droits à l'avortement qui étaient extrêmement fermes, mais on va essayer de rendre le droit à l'avortement encore plus difficile d'accès en l'interdisant
carrément, même si ça n'a pas réussi. Et la Pologne a essayé, mais sans succès, de faire empêcher la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et à la violence domestique, la dite Convention d'Istanbul. En Italie, donc nos voisins, on voit aussi un mouvement qui a réussi à empêcher l'ouverture du mariage entre les couples de même sexe et à mettre en place un ministre de la Famille extrêmement conservatrice sur ces questions-là. Il s'agit bien entendu de mouvements avec des réseaux transatlantiques très importants. Je n'irai pas forcément dans les détails, mais les leaders du mouvement contre le mariage pour les couples de même sexe aux États-Unis est venu manifester à Paris. Et inversement, les membres de la Manif pour tous sont allés aux États-Unis pour suivre des formations dans des think tanks américains. Donc il y a un partage d'expertise des mouvements sociaux à travers l'Atlantique. Là, juste pour le fun, des photos de familles françaises vivant aux États-Unis au moment de la Manif pour tous qui se sont exprimées au nom de la France à Washington, par exemple, ou en Virginie pour dire, voilà, nous sommes français et nous sommes contre le droit des homosexuels à former des familles. Ce qui donne une image assez intéressante de la France aux États-Unis, surtout qu'on s'exprime au nom de la France. D'accord ? Il y a des évolutions américaines qui sont inquiétantes et déprimante, j'ai envie de dire, depuis l'élection de Donald Trump. Contrairement au contexte européen qui était le sujet des livres que mon collègue nous a montré tout à l'heure, qui s'intéressait à l'Europe, aux États-Unis, on voyait moins de revendications contre la théorie du genre. Parce qu'on ne peut pas dire que la théorie du genre vient des États-Unis quand on est aux États-Unis. C'est-à-dire que l'exercice de dire que ça vient de l'extérieur ne marche pas forcément. Mais ça n'empêche pas que l'antiféminisme et que des mouvements réactionnaires gagnent en puissance depuis l'élection de Trump et commencent petit à petit, et ça je trouve ça très bizarre, mais à noter, commencent à dire nous ne voulons pas gender theory aux États-Unis. Donc par exemple Roger Severino, qui est le directeur de l'office en charge de la garantie de l'égalité des droits pour le gouvernement fédéral, et contre la dite théorie du genre, contre l'homoparentalité, et lutte aussi pour la mise en place d'une série de propositions de loi dans les États. La loi déjà existe au niveau fédéral, de ce qu'on appelle des Religious Freedom and Restoration Acts, qui voudrait dire, pour faire simple, si vous motivez votre refus, par exemple, de permettre à un couple homosexuel de loger dans votre hôtel, si vous motivez votre refus par votre croyance très profonde que l'homosexualité est un péché, alors vous pouvez être protégé des lois qui interdisent normalement ce type de discrimination. Voilà. Et la Cour suprême risque d'aller dans ce sens. Voilà. Alors je sais qu'on a commencé avec un peu de retard, j'aimerais bien continuer un tout petit peu si vous me le permettez, parce que là pour le moment on a parlé sur le registre national des mouvements et de leurs articulations dans des contextes spécifiques et comment ces articulations des revendications prennent une connotation nationaliste et font un lien entre la nation qui inclut des gens et la nation qui exclut d'autres. Et moi la question qui m'intéresse c'est en plus de tout ça, comment ça peut avoir un impact sur nous et sur notre façon de se comprendre? Si on dit que bah, les homosexuels, ça ne vient pas de chez nous, quand on est homosexuel dans un pays comme ça, qu'est-ce qu'on se dit par rapport à sa propre place ou par rapport à sa propre identité? Alors je vais essayer de faire une sorte d'esquisse de réponse à cette question, qui est issue d'un travail que j'ai publié dans The American Journal of Cultural Sociology, comme je vous disais en introduction, qui portait sur des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles françaises ayant quitté la France pour s'installer aux États-Unis et des personnes LGBT quittant les États-Unis pour s'installer en France. Et j'ai retrouvé un cas super intéressant, le cas de Marie. Marie qui a quitté Aix-en-Provence pour s'installer dans le Colorado. Alors Marie, à l'époque, elle avait déjà compris qu'elle était attirée par les femmes, mais elle n'avait jamais mis ce désir en pratique. Elle avait simplement compris qu'elle avait ce désir. Et c'est lorsqu'elle s'installe à Denver où elle va commencer à essayer, à se dire mais comment ça se fait que je m'intéresse aux femmes, et aussi à rencontrer des associations qui parlent d'homosexualité
Entre autres, elle est avocate et elle a quitté la France aussi pour faire du droit. Elle a longtemps travaillé pour le ACLU, qui est un groupe de revendication de gauche qui utilise le système judiciaire pour promouvoir l'égalité. Alors, elle m'a dit ça en entretien. Quand je lui ai demandé comment elle vit son identité, elle m'a dit « ça m'embête parce que j'ai fait mon coming out ici, aux États-Unis. Et c'est comme si cette partie de moi est née en Amérique. » Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est presque comme si la partie américaine de moi est gay. Sinon, je ne me sens absolument pas américaine. Vous savez, dans un an, je peux demander la nationalité américaine et je me dis, non, surtout pas. Je ne veux pas, vraiment, pas être une citoyenne américaine. Je ne me sens pas américaine pour deux sous. Je me sens vraiment française. Mais, quand j'y pense, je ne sais pas comment réconcilier ça avec ma sexualité. C'est-à-dire que pour elle, elle a construit son identité sexuelle en France, aux États-Unis, pardon. Quand elle a quitté la France, ses références, c'était Josiane Balasco dans Gazon Maudit. Pour elle, elle a dit « moi, je ne suis pas comme ça, je ne peux pas être une lesbienne ». Quand elle est partie aux États-Unis, elle a pu avoir accès à des modèles qui étaient plus parlants pour elle. Et ça a eu un impact important sur sa façon de comprendre sa sexualité. Mais une façon de comprendre sa sexualité qui articulait nationalité et sexualité et qui, pour elle, posait problème. Ce qu'on voit ici, c'est que les migrants mettent en lumière plusieurs phénomènes. La migration nationale a donné une perception à Marie d'une culture spécifique. À la fois, elle avait un regard distancié vis-à-vis de son pays d'origine, la France, ce qui lui permettait de mieux voir les attentes du contexte américain. Et en même temps, elle était loin du regard de ses proches qui sont restés en France. Donc, elle a pu se permettre de construire une identité différente. Mais que la construction de cette identité a eu lieu dans un contexte national spécifique et je ne serais pas surpris que si Marie avait migré dans un autre contexte où la connotation de l'homosexualité était différente, elle aurait probablement créé une autre identité homosexuelle. Et ce mouvement, dans le cas de Marie, crée des tensions d'identité. Et pourquoi ça crée des tensions d'identité ? Parce que, là je vais parler davantage d'homosexualité que de genre, l'homosexualité nécessite une identité collective spécifique qui doit faire appel à des registres de discours qui se situent à plusieurs niveaux. Contrairement aux choses comme la couleur de peau, comme les origines nationales, l'homosexualité n'est généralement pas quelque chose qui est partagé par tous les membres d'une même famille. D'accord ? Donc quand vous vous trouvez dans une famille homosexuelle, il va être difficile de se dire « je partage cette identité avec mon frère, avec mes parents ». Alors que si vous êtes basque, vous avez le fait d'être basque tous ensemble en général. Donc les homosexuels doivent chercher une identité collective qui se situe au-delà de la famille. Et ce discours est diffusé par les médias, est construit par la loi, et tout ça change selon le contexte et selon le temps. J'avais plein de détails, mais puisqu'on n'a pas le temps, je ne vais pas parler, mais vous savez que les contextes, les catégories homosexuelles sont très récentes, et les connotations aussi. Pour faire vite, l'homosexualité telle qu'on la comprend aujourd'hui est une catégorie plutôt de classe moyenne blanche qui est issue du mouvement homosexuel du milieu des années 1900, du XXe siècle. Et du fait de cette identité, d'autres personnes qui ne font pas partie de ce groupe peuvent avoir des problèmes ou des difficultés à se mettre ces catégories-là, notamment des minorités raciales ou ethniques, qui se disent moi j'ai l'impression qu'être homosexuel c'est un phénomène de blanc, j'ai ces désirs-là. Alors il faut essayer de construire une identité au-delà de ça. Aujourd'hui, on commence maintenant à parler de la disparition de ces catégories pour dire à quoi ça sert ces catégories, c'est nul. Mais en même temps,
J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre quand je dis ça, mais en même temps, la circulation nationale est importante. Qui ici est déjà allé dans une boîte gay? Voilà, non, beaucoup, moi aussi. Si vous allez dans une boîte gay à Paris, si vous allez dans une boîte gay à Dubaï, si vous allez dans une boîte gay à Shanghai, si vous allez dans une boîte gay au DFA, au Mexique, vous allez entendre Madonna, vous allez entendre Lady Gaga, vous allez entendre le mot gay, vous allez entendre le mot coming out, etc. Parce que le registre du discours de ce que c'est que l'homosexualité est dominé par l'anglais. Et la perception que ces notions sont issues des États-Unis ou en tout cas des pays anglophones et ont diffusé par le biais de la diffusion de la culture et autres de manière à donner donc une connotation anglo-saxonne à l'identité homosexuelle. C'est pour ça que moi j'ai travaillé sur le coming out en France et l'utilisation du coming out, mais d'autres chercheurs, notamment des anthropologues, ont travaillé sur comment les gens dans des contextes nationaux spécifiques font une sorte de créolisation, de cet anglais gay, gay English, pour en faire d'autres mots. Et il y a plein de phénomènes. Donc, en fait, ils réussissent à faire transformer ce discours transnational dans un discours plutôt national qui est spécifique à un certain contexte, qui leur donne une façon à la fois hybride, internationale, et une identité propre, nationale. Je ne parlerai pas trop de la France parce que, encore une fois, on est proche de la fin, mais en France, cette circulation internationale a posé problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin des années 90, la mairie de Paris avait interdit les drapeaux arc-en-ciel sur des établissements homosexuels dans le Marais. En disant ici, on est en France quand même, le drapeau arc-en-ciel, ce n'est pas la République. À la limite, si vous voulez mettre un drapeau français, oui. Mais le drapeau arc-en-ciel, c'est une appartenance à un groupe sous-national qui n'a pas sa place ici. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une articulation, comme je disais, entre sexualité et nationalité qui peut exister à cause de ce qu'on appelle des frontières symboliques. Alors, qu'est-ce que les frontières symboliques? Comme la domination américaine ou anglo-saxonne de la diffusion internationale du gay English permet de faire croire que l'identité gay ou même le comportement homosexuel est une importation étrangère, non autochtone, et donc en dehors des lignes, des frontières, on dessine la nation avec l'exclusion de l'homosexualité ou alors avec l'inclusion de l'homosexualité qui prend des formes cette opération a existé déjà dans le temps. C'est ce qu'un collègue à moi appelle une technologie de création de l'autre. Les travaux de l'historienne Florence Tamagne sont très intéressants dans la matière parce qu'elles montrent comment c'était déjà le cas à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, où l'homosexualité pour les Français était la maladie des Allemands, que pour les Allemands, l'homosexualité était la maladie des Anglaises, pour les Anglais, l'homosexualité était la maladie des Français. Bref, l'homosexualité était toujours le problème de l'autre pays. Donc de fait, si vous êtes homosexuel ici, ben, espèce d'Allemand, si vous êtes, ou espèce d'Anglais, mais en tout cas, vous n'êtes pas chez nous si vous avez ça. On retrouve ce même type d'opération aujourd'hui, mais monté peut-être en gravité dans des contextes où l'homosexualité est soumise à des lois qui interdisent le comportement homosexuel ou interdisent la dite propagande homosexuelle, etc. Je ne vais pas aller plus loin dans ça pour terminer. Je vais juste vous montrer quelques études qui permettent de comprendre les opérations de ces articulations entre nationalité et sexualité par le biais des migrants. Parce que, comme je disais, les migrants traversent les frontières. Donc, contrairement aux gens qui n'ont pas quitté leur propre contexte, ils ont accès à l'analyse des codes sociaux parce qu'ils les découvrent. Moi, j'ai dû découvrir en France les codes sociaux de la France, y compris les codes sur la sexualité. Par exemple, que ça, c'est ton jardin secret, pourquoi tu le partages avec nous, ça ne nous regarde pas. Alors qu'aux États-Unis, on va plutôt dire, mais tu es dans quelle case exactement, homo, bi,
mais on aimerait bien que tu t'affiches tout de suite. Ça, c'est un code qu'on apprend. Alors, il y a plusieurs livres que je vous recommande. Ça sera le mot de la fin parce que j'adore lire et j'espère vous avoir donné envie d'aller plus loin. D'essayer de voir le livre « The Sexuality of Migration » qui a déjà commencé dans le premier temps à s'intéresser à à l'expérience des migrants. C'est un sociologue qui a travaillé sur les migrants venant de l'Amérique latine et s'installant aux États-Unis. Et comment, lorsqu'ils se sont installés aux États-Unis, c'était sur les hommes, les migrants latinos ont découvert qu'aux États-Unis, il y avait une érotisation des hommes latins comme chauds, très en demande de comportements sexuels, des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément confrontés chez eux. Et ça, pour eux, c'était une découverte qui était perturbante. Un autre livre très similaire, Pathways of Desire, de Hector Carrillo, publié très récemment, suit également des migrants de l'Amérique latine vers les États-Unis, mais s'intéresse à la recherche d'un espace sécurisant pour ne pas subir des violences homophobes, parce que c'est des gens qui quittaient des pays. On peut penser par exemple au Brésil, et où le contexte est encore plus grave aujourd'hui, depuis l'élection de Jair Bolsonaro. Et donc, quand ils se sont installés aux États-Unis, étaient surpris de comprendre qu'en réalité, aux États-Unis, c'est pas si simple pour ça non plus, selon l'endroit où on vit, pour vivre son homosexualité. Queer Beirut, qui est un livre de Sofian Merabet, qui est très intéressant et s'intéresse à la communauté homosexuelle à Beyrouth, et notamment l'expérience des migrants quittant la Syrie, et d'autres pays où l'homosexualité est réprimée, pensant qu'ils vont découvrir un contexte plutôt accueillant et découvrant qu'en fait les codes de ce que c'est que l'homosexualité sont très différents dans leur propre pays et que notamment quand on est par exemple syrien et quand on s'installe à Beyrouth, c'est pas tout à fait la même chose que d'être turc et homosexuel à Beyrouth. C'est-à-dire qu'il y a aussi une hiérarchie entre les différentes ethnies dans cette communauté homosexuelle et les hiérarchies de désir. Enfin, Gloria Gonzalez-Lopez, Erotic Journeys, elle étudie l'expérience des familles entières qui quittent l'Amérique latine pour s'installer encore une fois aux États-Unis, mais elle s'intéresse surtout à l'expérience des jeunes femmes dans ces familles hétérosexuelles. Et lorsque ces familles s'installent aux États-Unis, les pères de ces familles ont peur des mœurs américaines et notamment d'une perception d'un laxisme sur la virginité et essaient de contrôler les désirs érotiques de leurs filles d'une manière différente que ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas quitté le Mexique. Voilà, donc aujourd'hui j'ai essayé de manière peut-être un peu compliquée de faire articuler deux niveaux d'analyse. À la fois le niveau national où on voit le discours contre le droit des homosexuels, contre la théorie du genre, et d'un autre côté, d'essayer de vous montrer que les gens, quand ils se situent dans ces discours, se retrouvent à l'intersection d'une situation très difficile qui les oblige à prendre parti dans un débat international qui les échappe et qui les met en quelque sorte soit comme des promouvoirs de valeurs étrangères, ou alors comme des gens qui représentent la modernité, contrairement à d'autres gens dans notre pays qui ne sont pas modernes. Voilà. Après, je vais dire merci et je vous invite à vos questions.